C'est là que nous voulons donner un nouveau départ à Saint-Louis. Parce que nous sommes l'avenir de cette ville. Saint-Louis a besoin de sa jeunesse. Saint-Louis a besoin de nouveauté, de dynamisme. Et qui dit dynamisme, dit jeunesse forcément. Donc, c'est pour montrer que nous sommes tous engagés. Nous n'avons aucune ambition sur le service de Saint-Louis. Et la jeunesse qui m'accompagne est résolument engagée vers cela. Et nous sommes plus décomplexés et plus engagés que jamais. Abba Mbaye réclame la mairie de Saint-Louis, n'est-ce pas? Exactement quoi. Il est bien évident que les consignes de boycott ont été données. Mais si ça vient d'en haut, le bureau pour ça là devient ouvert quoi. Mais ils m'entendront parce qu'aujourd'hui il est plus évident. Je ne peux plus faire ça en bas. Je suis majoritaire, incontournable et ça, qu'ils le veuillent ou non, l'accepteront. C'est jamais chercher à comprendre pourquoi ils sont venus ou pourquoi ils ne viennent pas. La seule chose qui m'a intéressé dans cette journée, c'est l'émotion qui m'a habité quand je suis sorti chez Abdoulaye Chouvetio. Il m'a dit tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu feras. Il n'y a que Saint-Louis qui m'intéresse. Il n'y a que cette jeunesse qui m'intéresse. Et cette jeunesse-là, elle a décidé de ne plus regarder son avenir à travers le blanc des yeux de qui que ce soit. À travers la volonté ou la pensée de qui que ce soit. Nous savons que notre avenir, c'est à nous de le construire et nous allons construire l'avenir. Maintenant, qu'ils viennent ou ne viennent pas, l'essentiel, c'est que cette journée a réussi. Ah bon. Et qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, demain fera jour.